C'est dernier sorti nous pour ce maintenant. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous pour capable présenter tout élément d'information. Déjà, nous souhaitons passer un très bon vendredi sous TNH et bon week-end tout le monde. Rapidement, mes grands points qui abdominent l'actualité, ministre économie et finance, Judas Alex Patrick Salomon, déposé hier jeudi 28 juin deux projets de loi dans le Sénat républicain et dans la Chambre des députés. Yon a ce projet de loi rectificatif budget 2017-2018 là et puis l'autre là c'est projet de loi finance pour année 2018-2019. Examen baccalauréat session ordinaire au bout hier jeudi 28 juin sur tout territoire national là. Environ 144 000 candidats et CBE prévus pendant 4 jours. Et puis, dans le cadre de la caravane changement, travail qui rage rivière a continué. Avancé, travail a avancé dans rivière Koujol qui trouvait dans Vela Akaye, département l'Ouest, pays d'Haïti. C'est pour ça que Claude Nabgué pour nous capoter pour dans le journal aujourd'hui, n'a pas de pause, pas déplacé, n'a pas tourné tout à l'heure. Merci pour fidélité et attention à édition nouvelle Sila. Rapidement, je note dit li nan grand titre ministre économie et finance là, Judas Alex Patrick Salomon fait dépôt jeudi 28 juin 2018 là deux projets de loi finance dans bureau chambre député ya ak nan Sénat République là. Yo nan ces projets de loi rectificatif et exercice fiscal 2017-2018 là, l'autre là ces projets initial 2018-2019 là. Président Chambre député a transmettre deux projets de loi sa yo bay Sénat bay au niveau Chambre député a pour analyse au niveau de Sénat République là bureau Sénat République là qui gagne en tête li sénateur Joseph Lambert recevoir document ça tout dans l'idée pour li capable remettre li bay commission économique ak finance dans Sénat République là n'a rappelé projet de loi finance initial 2018-2019 là les évaluer à 175 885 millions gourdes, 125 milliards c'est recettes domestiques, 50 milliards c'est appui budgétaire, alors que projet loi finance rectificatif là évalué à 156 millions gourdes. À nous suivre. Conformément à nos règlements intérieurs de la Constitution de 1987 amendée, nous avons ainsi l'honneur d'inviter le ministre des Finances, M. Patrick Alix Salomon, à faire le dépôt de deux instruments, importants pour l'avenir de la République d'Haïti, à savoir le budget rectificatif 2017-2018 et le budget 2018-2019. Donc, comme vous le savez, et chers collègues qui sont ici présents, et la presse parle également, écrite et télévisée, donc ces instruments, c'est-à-dire les deux budgets, en particulier le budget 18-19, et ces instruments, bien sûr, doivent être déposés au plus tard, le 30 de ce mois, conformément à la Constitution. Soubopali, ministre économie et finance, Judas Alex Patrick Salomon, confirmé projet de loi finance 2018-2019, là, évalué à 175 885 millions gourdes. 125 milliards, c'est recettes domestiques, 50 milliards, c'est appui budgétaire, alors que projet de loi finance rectificatif, là, lui-même, lui évalué à 156 millions gourdes. Ministre de tout pour loi règlement pendant dépôt deux projets loi Sayo. Et dans le micro, Fédéric Confident avec Moïse Oubrich. C'est avec le sentiment du respect de la Constitution et des institutions du pays qu'aujourd'hui je viens au bureau de la Chambre des députés pour faire dans les limites prescrites par nos lois, de faire le dépôt de la loi de finances initiale et
celui de et de la loi de finances rectificatives 17-18. Ce sont deux éléments importants dans la poursuite des actions qui sont déjà engagées par notre gouvernement. On a bien vu que malgré les ressources limitées, le gouvernement a pris toute la mesure des difficultés et s'est assuré de travailler d'arrache-pied pour pourvoir l'ensemble des directions départementales d'instruments à la fois des équipements lourds et des équipements agricoles. Ceci, c'est pour permettre de renforcer la production nationale. Et dans le cadre du budget 18-19, on a initié des mesures visant à renforcer la production nationale, notamment des mesures tarifaires, ce pour nous permettre de nous assurer que la production locale puisse avoir tout cet espace de visibilité pour permettre à l'ensemble des compatriotes de pouvoir apprécier cette production. Nous te dit les tournants grand titre examen baccalauréat session ordinaire pour année académique 2017-2018 la bouta ayant jeudi 28 juin sur tout territoire national là. Environ 144 000 candidats CBE et Poinsayo sur tout district scolaire ont commencé depuis lundi 25 juin pour bout ayer jeudi. John Herbica Seyusa et Moïse Ulbrich a présenté nos reportages. Allons suivre. C'est environ 144 000 candidats qui ont participé dans l'examen baccalauréat à Nessa. Sur quantité de participants, environ 5 000 ont été trouvés dans le cas d'irrégularité. Ça pas de jeune fiche, ça te gen non yo mal écrit ou soit pas jeune photo pa yo sou fiche yo. Élève ça, c'est un nan candidat qui était dans situation an. Malgré inquiétude li, élève la fait connait, il était bien composé dans examen yo. Demoiselle la rete quoi, responsable ministère éducation nationale ak formation professionnelle yo, pral fait tout ça qui nécessaire pour bien traiter dossier candidat qui te gen problème dans fiche yo. Bon, question m'a posé, c'est qui je nous pral faire connait que qui j'en nous pral faire pour yo bay résultat, qui j'en nous même nous pral faire connait pour nous prendre et puis qui ça nous a besoin pour nous ka al des résultats. Yo prend numéro nous tout ça, mais n'a suivre quand même. Année académique 2017-2018 la campé là pour candidat yo. Rendez-vous à cassé pour résultat examen yo qui t'a supposé disponible dans mois août qui vient là d'après ministre éducation nationale la formation professionnelle là Pierre Josué Agenor Kadé. Ministre éducation nationale et formation professionnelle Pierre Josué Agenor Kadé visité jeudi 28 juin pour dernière journée baccalauréat au centre institution adventiste auditorium la Bible. Visite ça était occasion pour ministre éducation nationale et formation professionnelle là garder comment examen baccalauréat déroulé dans centre Sila qui gagnait candidat handicapé. En nous souvient reportage Rachel Sefort, Fresnel Toussaint. C'est plus passé en dizaine candidats qui ont mobilité réduite, qui s'est bien examen baccalauréat dans le centre institution adventiste auditorium la Bible. D'après ministre éducation nationale et formation professionnelle là, visite ça te permet de garder environnement pour tes candidats qui ont besoin spécial de composer et performance dans l'examen. Nous disons qu'il faut que nous marchions garder comment nous mais ici, à lui-même, c'est un centre tout à fait spécial. Parce que c'est là que nous accueillons tout le monde à mobilité réduite. Yo. Donc, il mérite une grande attention à la société. Parce que nous connaissons pendant longtemps, nous avons eu une sorte de société discriminante. Résoudre le problème de discrimination dans la société. Ya. Pour nous montrer que tout le monde, c'est le monde. Quel que soit le rôle social, quel que soit la couleur, quel que soit la taille. Donc, tout le monde doit être en tant que monde. Nous jouons tout le monde qui est frappé de cécité, qui est sous muet. Il y a un handicap moteur là, donc nous avons 16 candidats qui ont proposé là. Mais nous regardons là, nous avons des copies de Timounsa, c'est extraordinaire. Hein? Nous avons des gens qui ont commencé à faire affaire individuellement. Hein? Donc contrairement à l'autre centre, nous passons. Mais en gros, c'est ça, lié. Nous passons dans, tout, dans plusieurs centres pour nous regarder comment ça y est. Et nous disons, centre ça lui-même, il attire l'attention surtout avec Timounsa, parce que vous avez regardé au grand cadre avec eux. Parce que depuis nous venons tête ministère, et bien avant tout, c'est un mouvement qui est fait. Mais nous faisons prise en charge globale de tout le monde à mobilité réduite
parce qu'il faut nous montrer que et y a même tout puis y a pas senti y a une société qui émettait au dehors mais tout le monde y a ce monde et on regarde tout dans sous base dans ministère on voit que deux premières nominations faites ou bien deux seules nominations faites c'est deux monde à mobilité réduite qui c'est deux gros cas actuellement dans ministère deux mesdames. Dans l'occasion, responsable Saint-Lan qui fait qu'on est apprécié visite ministre dans Saint-Lan, profiter féliciter candidat pour effort fait pour arriver dans la classe ça. Il souhaitait visite ça permettre population puis bien connait besoin catégorie moun sa yo et puis faciliter au continuer à étudier au niveau université. Visite ministre dans Saint-Yabla, là, c'est une parmi différentes visites responsable dans ministère fait dans divers centres examen dans pays a pour connait comment examen baccalauréat ont déroulé. Ministre renouvelle engagement pour continuer travail pour résoudre problème discrimination en bas dans pays a pour permettre mon handicapé aux jeunes place yo dans société a. Ce côté bilan ministre éducation nationale et formation professionnelle Pierre José Agenor Cadet les déclaré examen baccalauréat yo déroulé sans trop difficulté dans 10 départements scolaires pays a. Ministre l'a fait connait yo té enregistré quelques incidents pendant premier journée examen yo côté plusieurs milliers candidats pas de gagner fiche dans main yo. Ministre Pierre José Agenor Cadet annoncé yon ensemble mezi ministère li en prend pour capable pour ka sa yo pas répéter parmi mezi sa yo à partir année prochaine aucun directeur l'école privée pas ka inscrit élève recalé dans baccalauréat. On nous suivons extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint. Donc tu as un cas de boycottage ou de sabotage pour te bloquer examen dans premier jour avec des milliers de monde qui débarquent, qui débarquent fils et étudiants, oui, c'est candidat, oui. Et heureusement, nous avons tout en, presque tout en couleur. Donc, si nous avons environ 5 000 ans, et nous faisons tout le temps, nous disons, bon, ok, nous faisons 5 centres, nous mettons, et nous analysons le dossier, dans demain, il y a plus de 60% de nous encore. Parce que c'est des gens qui devraient faire infiltration. Donc, tu as là-dedans, c'est ça qui a passé là-dedans. Donc, le camp de après ça, nous rejoignons. Nous avons 454 qui étaient. Dans 454 qui étaient, nous analysons le dossier, nous avons seulement 33 dans qui, si vous êtes inscrit, qui sont capables de valider. 33 seulement qui ont dossier. Il y a une pratique qui existe dans les baccalauréat, nous avons freiné. Pratique côté, nous avons pris le temps pour faire l'argent. Dans l'examen de l'État. Donc, qui est le candidat ministère avec le candidat ministère. Deuxième baccalauréat, tout grand pile responsable de l'école qui fait état de négligence grave. Par exemple, soit au bord timoun nan, yo inscrit timoun nan avec des données qui fausses. Donc la inscrit timoun nan, li pa écrit non timoun nan bien, qu'on a l'air timoun ça va l'inscrire la machine pas nous pour pas coup dans le système là-bas. Gagné en tout qui prend timoun qui fait 9e année qui pas de passer, yo vient inscrire tout, ça faut bloquer. Gagné timoun tout pas de passer dans seconde, qui pas de passer dans reto parce que les petits dans l'école chaque année toute école porte dans ministère dans direction départementale ça nous est les listes de formation de classe et liste de décision de fin d'année. Donc au début de l'année gon liste de formation de classe qui dépose dans ministère à la fin de l'année gon liste de décision. Maintenant à partir de liste de décision ça les petits monde ça arrive dans philo ou fait plusieurs étapes ou va regarder d'abord est-ce que petit monde ça a passé dans 9e. S'il est passé dans 9e, est-ce que pour Pibiti, il a 4 ans de passer dans 9e? Parce que s'il a 2-3 ans, il va la donner. Parce que son petit monde qui n'est pas passé dans 9e, il a fait classe supérieure. Si nous passons dans 9e normalement, et dans le filoual, dans 4e année de passer dans 9e ou bien plus, si nous allons regarder dans la liste de décision, seconde, est-ce qu'elle est passé? S'il passe dans la seconde, on regarde est-ce qu'elle est passé dans le retour. Maintenant, depuis tout ça réuni, si nous allons les valider. Nous te dirons dans gratitude dans le cadre de la caravane en changement. Travailleurs qui rajoutent avancé dans la rivière Koujol qui trouvent les dans la ville à Kaye, département l'Ouest, pays d'Haïti. Dalindo Rival avec Michel Joseph, téléplacé, Yabano Kotadji. Yon mois depuis président République là, Jovenel Moïse, lancé travail qui rajoute avec renforcement belge sur rivière Koujol dans le cadre de la caravane changement. Travail yon pas campé. Citoyens dans la zone là, salier GFO technicien TPTC yo a fait dans rivière ya, ça ka permettre des gars yo limiter les mauvais temps. Première fois, on bagaille comme ça fait dans ka courant. Première fois. Et mon cher, je suis bien content, mon cher, je suis satisfait. Même m'ta souhaité pour monsieur faire même 20 ans dans pouvoir. Vous voyez dit président merci en pile parce que pour qu'il y a là notre gros souffle grâce à président.
Nous battons un gros bravo pour le président Jovenel. C'est pour la première fois que nous avons dit Rivière, Coujol, comment se curer comme ça. Bien que bah, la beaucoup fini, mais nous-mêmes à 80% de la population, nous avons satisfait. Mais nous battons un gros bravo pour le président Jovenel. Et c'est pour la première fois un gros travail qu'on a fait. Dans travail ça y est qui pral éviter inondation, qui compte baïke cassé dans la ville à Kaye, rentrer dans quatre caravanes changement. Qui c'est une stratégie, administration Moïse à gouvernement Lafontan mettez campé pour améliorer les conditions de la vie de la population. Technicien Santé Nationale, équipement CNE a préparé et puis mette opérationnel ADM qui c'est un matériel pour produire asphalte dans l'usine asphalte qui chita dans l'accueil Gomona dans le département Latibonite. Pendant la visite à la commission pour restructuration Santé Nationale équipement, mercredi 27 juin passé dans l'usine asphalte Silla, coordonnateur commission Kinton lui promet à travailler avec technicien. Ingénieur et puis employé CNEO pour réparer tout matériel qui mérite réparer et puis mettre yo dans service population haïtienne. Falan Delphé et Rémi Goudji a présenté nos reportages. Matériel ça installé depuis quelques mois après ouverture usine asphalte dans la Kil Gros Monde. Appareil ça pral permettre gain asphalte qui produit pour construire route dans département nord et nord-ouest dans quatre caravanes changement. Coordonnateur commission restructuration et renforcement centre national équipement CNE Kinton Louis félicité et puis encourager technicien CNE dans travail à faire pour faciliter bon fonctionnement matériel yo qui permet travail caravane changement effectif dans département yo. L'on garde quantité corps matériel ça te coûter l'état haïtien et puis pour matériel là t'es abandonné, c'est ton argent perdu. Jodi an avec président Jovenel Moïse, nous avons matériel qui réparé et aujourd'hui, il est en service peuple. Et nous avons dit peuple haïtien, président est promet travail, président a travail. Et m'a profité, félicité, technicien CNE, m'a félicité ingénieur CNE. Matériel ça a été acheté depuis dans l'année 2009 à cause d'être abandonné dans zone tabac, responsable joine plusieurs pièces te manqué la donne. Matériel ça qui déjà commencé produit asphalte qui déposé sous différents tronçons route dans département a contribué dans concrétiser rêve chef l'état qui s'est connecté commune une à l'autre dans l'idée pour renforcer économie pays a. Et c'est là nous fermer avec actualité locale là non près les l'autre bord le Kounia là puis près la Kaino dans pays États-Unis puisque gagné pour pipiti 4 mouna qui mouri et alors 5 mouna total puisque 5e mouna pral mourir l'hôpital là pendant une fusillade qui fait hier dans un journal dans Maryland. On nous ce reportage. Une fusillade a fait 5 morts hier soir dans les locaux d'un journal à Annapolis, aux États-Unis. Un homme armé a fait irruption dans la newsroom du Capital Gazette et a ouvert le feu, tuant sur le coup 4 personnes. Une cinquième est décédée à l'hôpital. Le tireur, Jared Ramos, s'est rendu sans résistance à la police du Maryland. Cette personne était bien préparée. Cette personne était prête à tirer sur des gens. Son intention était de faire du mal. Le suspect a poursuivi en justice ce journal il y a 6 ans pour diffamation après un cas de harcèlement dans lequel il était impliqué, mais il avait perdu l'affaire. Les 3 hommes et les 2 femmes victimes de cette nouvelle fusillade travaillaient toutes pour le journal. Toujours dans le pays États-Unis, plusieurs milliers de monde prennent la rue hier jeudi pour manifester contre la politique migratoire président américain Donald Trump. Euronews a dit non plus. Des centaines de personnes ont manifesté jeudi dans les rues de Washington. Elles protestent contre les séparations de familles de migrants et leur envoi en centre de rétention à la frontière mexicaine. Depuis début mai, 2300 mineurs ont été séparés de leurs parents en application de la politique de tolérance zéro de Donald Trump, une pratique annulée sur le papier par le président lui-même la semaine dernière.
Enveloppés dans des couvertures de survie comme celles distribuées aux enfants clandestins, de nombreux manifestants ont fait irruption dans un bâtiment du Sénat, parmi eux la comédienne Suzanne Sarandon. En tant que mère, je serais traumatisée si je ne savais pas où étaient mes enfants et s'ils ne savaient pas où j'étais. On ne peut pas laisser cette situation se normaliser, on ne peut pas faire comme si c'était inévitable. À l'autre bout du pays, à Portland, les forces de l'ordre ont mis fin à un blocage. Des centaines de manifestants s'étaient rassemblés et campés aux abords d'un bâtiment du service fédéral de l'immigration. Ils protestent eux aussi contre la politique de Donald Trump. Sa compagne, Melania Trump, continue ses efforts pour adoucir l'image du couple présidentiel. Pour la deuxième fois, la première dame s'est rendue à la frontière avec le Mexique. Elle a rencontré des enfants sans papier dans l'Arizona. Mais cette opération communication ne convainc pas les opposants aux locataires de la Maison Blanche. Une grande manifestation est prévue samedi dans tout le pays. Nous pourrions aller sur le continent européen puisque les dirigeants européens ont été réunis dans le cadre d'un sommet. Bien après le sommet, l'autorité européenne est arrivée à un accord. Ça qui mettait satisfaction du côté président français Emmanuel Macron et particulièrement chancelier allemand Angela Merkel. Satisfaction du président Macron à l'issue du sommet européen, car comme il l'a tweeté, les propositions françaises ont été adoptées. Responsabilité et solidarité ont été des maîtres mots. Bonsoir. Juste un mot pour dire qu'après 9 heures de discussion et de travail, un accord a été trouvé. Et c'est pour la France une bonne nouvelle. C'est d'abord le fruit d'un travail conjoint et c'est la coopération européenne qui l'a emporté sur le choix d'un non-accord ou de décision nationale qui n'aurait été ni efficace ni durable. Et la proposition d'avoir justement des centres contrôlés sur le territoire européen pour mieux organiser cet accueil, la solidarité que nous devons aux pays de première entrée a été actée lors de ce sommet. Je vous remercie. Une source italienne a souligné la contribution importante du président français dans l'élaboration de propositions de nature à satisfaire l'Italie, dont l'attitude récente face aux bateaux de migrants a beaucoup choqué. D'une manière générale, je pense qu'après les discussions intenses sur ce qui est peut-être le plus grand défi de l'Union européenne, c'est un bon message d'avoir adopté un texte commun. Je suis optimiste, après aujourd'hui, sur le fait que nous pouvons maintenant continuer à travailler, même s'il nous reste beaucoup à faire pour rapprocher les différents points de vue. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel s'est retrouvée fortement fragilisée par les arrivées de milliers de migrants dans son pays. Et c'est sous dernière information ça, nous mettons en bout dans le journal là. Mais avant nous aller permettre que nous rappelons le grand point qui domine l'actualité. Ministre économie et finance dans Juda Alexa Patrick Salomon déposé jeudi 28 juin deux projets de loi dans le Sénat République là et dans la Chambre des députés. Yo nan ces projets de loi rectificatif budget 2017-2018 là. L'autre là c'est projet de loi finançant 2018-2019. Examen baccalauréat au bout, jeudi 28 juin sur tout territoire national là. C'est environ 144 000 candidats qui subissent épreuve sa yo pendant 4 jours qui ont commencé lundi 25 juin. Et puis dans le cadre de la caravane en changement, travailleurs Kirage Rivière continuent à avancer dans la rivière Koujola, Kishita, dans la ville Akaye, département l'ouest pays d'Haïti. Et puis à l'étranger, pour Pipiti, 5 personnes ont perdu la vie dans une fusillade qui fait dans un journal dans Maryland, pays États-Unis. Nous te contons ensemble avec vous pour être capable d'informer vous, pas bien jeudi à la, gagner une pause pour Mondial là, puisque 8e de finale a commencé à partir demain samedi. Eh bien, nous gagnons un week-end pour l'an, mais non, puisque a gagné Argentine qui a toqué connu avec la France pour première journée, pour premier match demain samedi. Et puis, Uruguay, Portugal a gagné pour lui capable de jouer vers 2 heures. Et puis, l'autre match qui gagne dans le cadre 8e de finale.
finale, yo gagné Brésil, Mexique, Belgique, Japon, Espagne, la Russie, Croatie, Danemark, Suède, la Suisse et puis Colombie, Angleterre, c'est affiche 8e de finale Coupe du monde football là. Là, n'a pas ce rendez-vous à pour une prochaine édition journal à matin, lundi matin. D'ici là, n'a souhaité tout le monde passer un très très bon week-end boule sur la télévision nationale d'Haïti. Bye bye tout le monde.